travaille les pièces en petite et en grande dimension, sculpture à la tronçonneuse ou à l'établi. Pour cette sculpture-ci, entre guillemets, on a une bille qui fait 1m40 de diamètre sur 3 mètres de long. Et en fait, le but, c'est de réaliser un pont qui va aller à l'entrée du nichoir. En premier temps, je vais déjà tracer mes niveaux pour être sûr qu'on soit bien à plat à chaque bout de la bille. Ensuite, je vais écorcer la partie supérieure, la partie qui va être complètement retirée. Et après, j'attaque à la tronçonneuse en faisant des carrés, en coupant mes côtés. Et puis, c'est une façon de faire un peu délicate parce qu'en fait, on rentre la tronçonneuse dans le bois. C'est assez compliqué en fait. Parce qu'en fait, il faut vraiment rentrer le guide et c'est une façon de tronçonner qui est un peu délicate et qui est un peu dangereuse, on va dire. On voulait vraiment un aspect, avoir vraiment une bille, avoir vraiment l'impression qu'on passe dans un arbre. Quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on va garder vraiment tout le côté l'aubier, l'écorce par endroit, et le laisser le plus possible naturel en fait.